C'est parti pour cette troisième épreuve, 1850 mètres à parcourir. Alors, Dropkick, qui est bien sorti, sollicité à l'extérieur à 8 Cities avec la toque rouge de Roy, qui va diriger les opérations. Donc, 8 Cities, The Arlington's Revenge. Ovation Award, Dropkick, Protea Paradise, évolue en épaisseur pour l'instant. Inauguration, à l'arrière, Liverpool Champ. Et Jetstream ferme le cortège dans la ligne droite pour la première fois, sous l'impulsion de 8 Cities, qui compte de longueur d'avance. 8 Cities sur Ovation Award, Protea Paradise qui va se rapprocher à l'extérieur, en troisième épaisseur toujours. Arlington's Revenge bien placé sur les barres, Inauguration, Dropkick, Jetstream et le favori Liverpool Champ qui pour l'instant est en queue de peloton. Aux abords du Tourmalet Malartic, 100 mètres environ à parcourir dans cette course pour 8 Cities, pas inquiété en tête de cette épreuve. Ovation Award qui va bien en deuxième position. Parcours difficile par contre pour Protea Paradise. Arlington's Revenge est idéalement placé, lui, 3-4e. Inauguration est pas mal en dehors de Dropkick. Jetstream est toujours en dernière position. Liverpool Champ qui commence tout doucement à bouger sous la cravache même pour reprendre le mort. Liverpool Champ donc à l'avant à la rue du gouvernement. On retrouve 8 Cities, Ovation Award, Arlington's Revenge qui est sollicité quelque peu, Inauguration également, Dropkick, Protea Paradise, Jetstream et sous pression Liverpool Champ à l'entame du dernier virage. 8 Cities, Arlington's Revenge, il faudra compter sur Ovation Award, sur Inauguration, le favori est assez loin, Liverpool Champ, donc 8 Cities qui tente de s'accrocher. Inauguration va bien terminer, Arlington's Revenge à l'intérieur, Arlington's Revenge qui a l'avantage et qui va s'imposer encore une fois devant 8 Cities. Inauguration. Ensuite, entre Dropkick et...